Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous montrer un petit logiciel qui va vous permettre d'extraire du son d'une bande vidéo. Alors pour ça, vous allez aller sur Google et vous allez taper vidéo tout MP3. Voilà. Une fois ça fait, vous pouvez le télécharger sur Kublik. J'ai cherché le mieux. C'est ici, hein, sur Kublik. Donc, vous cliquez sur Kublik. Hein. Et ici, vous cliquerez ici. Et vous téléchargez en cliquant ici. Moi, je le fais parce que je l'ai déjà. Hein. Le logiciel fait 6,6 émaux. Donc, une fois ça fait, vous l'installerez. Hein, et c'est en anglais. Hein, vous pouvez le mettre aussi en allemand. Il n'est pas en français, mais vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de parler ou lire anglais pour s'en servir. Une fois installé, vous aurez cette petite icône-là. Alors, cette icône-là, ce n'est pas le logiciel, je vais vous montrer. Voilà, en fait c'est une page où vous pouvez télécharger plein de petits logiciels hein, qui vous permet de convertir des fichiers en d'autres fichiers. Hein. Donc il y en a une quinzaine. Nous on a pris celui-là, hein, le vidéo tout MP3. D'ailleurs vous le voyez, il est plus noirci que les autres. Les autres sont gris. Donc vous cliquez dessus et vous ouvrez le programme. Voilà, une fois fait, vous pouvez fermer cette fenêtre-là. Hein. Sinon, vous pouvez aller directement le prendre en allant sur Démarrer, tous les programmes, DVD Video Soft, Programme, et il se trouve ici. Pardon. Voilà, ici. Vous pouvez même mettre ça sur votre bureau, quoi. Voilà. Donc une fois fait, je vais vous montrer un peu ce que ça va faire. Déjà, on va regarder la vidéo. Voilà. Donc on ouvre le programme en cliquant sur continuer. Continue, pardon. Et ici, on clique ici afin d'aller charger la vidéo. Voilà. Donc moi ma vidéo elle se retrouve sur le bureau ici. Donc je la prends, je l'ouvre. Et automatiquement, il va mettre le MP3 au même endroit que votre vidéo. Donc moi sur le bureau. Si vous voulez la mettre dans un autre emplacement, vous cliquerez ici et vous choisirez votre emplacement. Maintenant ici, vous avez la qualité du débit MP3. Si vous y connaissez pas trop, vous prenez la qualité standard ici. Voilà. Une fois ça fait, vous cliquez sur convert ici et la conversion va se faire. Voilà, avec une barre de progression ici. Comme vous pouvez le voir, on voit déjà l'icône ici du son de la vidéo qui apparaît. Une fois fini, vous aurez un petit son, voilà, qui vous prévient que la vidéo est finie. Avec une petite fenêtre. Donc, OK, close, close. Et nous allons regarder si notre son a bien été extrait. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur netprof.fr.